Dans cette série de tutoriels vidéo sur le logiciel Nuke, nous allons regarder les nouveautés de la version 8 éditée par The Foundry, avec notamment des outils de correction colorimétrique qui vont nous permettre de travailler plus rapidement et plus facilement sur ces outils, tant au niveau de l'échantillonnage qu'au niveau de la correction colorimétrique. Nous allons voir donc les différentes possibilités apportées par la version 8. Ensuite, à travers les autres tutoriels vidéo, nous verrons les autres nouveautés qui ont été amenées sur cette version 8, avec notamment des outils dans le DopSheet et d'autres types d'outils qui ont été rajoutés à travers l'interface de Nuke. Donc là, on va s'intéresser principalement donc à la correction colorimétrique, comme on peut le voir, notamment avec un color correct ici que l'on a mis en place. Ici, donc, on a un exemple de double correction colorimétrique que l'on a vu donc dans nos précédents tutoriels, dans les versions précédentes de Nuke, qui était la version 7, mais on peut appliquer la même chose bien sûr dans la version 8, c'est ce qu'on va faire là maintenant en termes d'outils de correction colorimétrique. Et on a vu un tutoriel qui permettait de pouvoir donner un look un peu blockbuster, comme on le voit donc sur la partie droite du viewer par rapport à la partie gauche du viewer, avec une double correction donc colorimétrique, avec un color correct 1 et 2 qui viennent s'équilibrer pour permettre donc d'avoir la partie visuelle que l'on voit donc encore une fois sur le côté droit. Donc je vous renvoie donc à ce tutoriel-là qui explicite la méthodologie tant au niveau du concept colorimétrique que des outils à utiliser dans Nuke pour pouvoir réaliser de manière complète ce tutoriel. Ici, on va juste regarder donc les outils qui ont été améliorés dans la version 8 de Nuke. Donc pour ça, on va repartir donc ici du footage de départ, donc du film de départ, et on va venir donc rajouter donc un color correct qui est déjà présent, Enter, ici, voilà. Et ici, on va mettre mode 2, read, color correct, voilà. Donc on se met le viewer en mode whip avec un color correct d'un côté et le read de l'autre, de telle manière de voir la différence de modification d'un côté par rapport à l'autre. Donc on retrouve notre color correct que l'on connaît, que l'on a déjà donc étudié dans les précédents tutoriels, qui est un outil vraiment très intéressant, très intéressant, qui permet de corriger donc à différents niveaux l'image. Donc on va retrouver ce color correct avec les différentes parties que l'on connaît, donc le master, shadow, midtone et highlight ici, qui nous permettent donc de maîtriser les différents niveaux de luminosité de l'image. Donc avec le master, donc on va maîtriser donc l'ensemble de l'image ici, par exemple en contraste global sur l'ensemble du RGB de l'image et sur l'ensemble de l'image aussi. Donc ensuite on a les différentes parties shadow, midtone, highlight que l'on peut donc travailler de la même manière dans les différentes parties. Donc ici on travaillera le contraste sur les ombres. Global aussi, c'est-à-dire sur les trois canaux RGB, de la même manière, donc les tons moyens et les hautes lumières ici au final. Donc ça, c'était la méthode que l'on pouvait donc utiliser précédemment. Maintenant, si on clique donc sur, par exemple, sur le gamma des ombres, gamma, alors je remets 1 ici, sur le gamma qui est à 1 ici, donc des ombres, sur la roue chromatique. Maintenant, on a donc une roue chromatique qui s'ouvre ici et qui nous permet de travailler de manière plus visuelle et plus directe et de manière plus confortable donc ce paramètre notamment du gamma, mais aussi les autres paramètres. Par exemple, ici, si je viens sur le gain, eh bien, je vais retrouver donc le même dispositif de cette roue chromatique qui me permet ici donc de pouvoir travailler de manière plus visuelle ce paramètre. Ok, donc je referme ici en recliquant sur la roue chromatique. Je reste ici donc avec le gamma des ombres et par exemple, donc je vais venir
cliquer au centre de la roue chromatique sur la petite pastille blanche et venir tirer donc dans une direction pour venir éventuellement colorer donc les ombres, donc ici avec un bleu violet au niveau donc des ombres comme on peut le voir. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, voilà, faire tourner donc voilà. Pour avoir l'autre côté ici et voir les parties plus ombrées, et donc on va pouvoir donc voilà être dans les bleus. On peut de la même manière aller chercher donc du vert, on le voit donc dans les ombres ici qui deviennent donc à tonalité verte ici, et ainsi de suite. Donc ça va nous permettre de travailler comme ça rapidement sur cette roue chromatique pour venir changer donc des valeurs dans des paramètres comme le saturation, contraste, gamma, gain, offset qui sont présents donc dans chaque partie du color correct. Alors on a pour gérer cette roue chromatique ici dans les différents paramètres, on a la possibilité d'utiliser des raccourcis clavier. Donc on peut positionner dans un premier temps donc notre pastille blanche sélecteur donc de couleurs de valeurs ici, dont on voit donc les valeurs exactes qui évoluent donc sur les quatre lignes de valeurs RGB ici plus l'alpha. On a donc l'évolution de ces trois valeurs. On a donc le, par exemple ici le R qui est à 0,44, le vert qui est à 0,41 et 0,93 pour le bleu ici. On a donc aussi la possibilité de jouer donc sur la luminosité avec les trois niveaux qui sont sur le côté droit de l'interface ici de la valeur gamma, comme on retrouvera pour les autres. Et notamment, on a la luminosité sur laquelle on peut jouer, paramètre important qui vient compléter les variations que l'on peut avoir donc de RGB dans notre correction colorimétrique. Donc, on va retrouver les possibilités ici que je manipule donc directement, soit par les curseurs en RGB, soit avec la pastille ici en la déplaçant sur la roue chromatique, soit en jouant encore une fois sur la luminosité. Je vais pouvoir donc jouer sur ces paramètres. Donc avec les raccourcis clavier, je vais aller plus rapidement et plus directement en maîtrisant le dispositif de la roue chromatique. Donc avec la touche contrôle enfoncée, en fait, je vais me maintenir à la même distance au niveau de la roue chromatique, mais je vais tourner sur la roue chromatique notamment. Voilà ici. Donc ça me permet de changer donc la couleur tout en maintenant donc sur la roue chromatique. Ça veut dire quoi en fait? C'est que je maintiens donc le même niveau de saturation de la couleur et je change juste de couleur en tournant sur la roue chromatique. Donc si je veux faire par exemple une coloration des ombres dans le vert, et eh bien je viendrai ici donc au niveau des verts tout en maintenant donc la même saturation. En appuyant maintenant sur majuscule seulement, après contrôle, j'appuie seulement sur majuscule et je peux me déplacer sur le même axe de couleur en augmentant ou en réduisant donc la saturation de cet axe donc de couleur. Donc ici, je reviens au centre, je suis désaturé, donc je reviens sur le blanc. Ici, j'ai pas de coloration et puis j'avance au fur et à mesure dans la saturation donc de la couleur. Donc ça me permet d'ajuster donc le paramètre de saturation après avoir choisi la couleur en ayant appuyé sur contrôle. Je viens positionner par exemple ma couleur ici donc dans le vert. Voilà. OK. Et puis j'appuie sur majuscule et je viens donc déplacer sur l'axe de saturation donc ici. Voilà.
Ensuite, il reste une dernier contrôle, c'est le mélange des deux touches contrôle et majuscule justement, qui va permettre de jouer sur la luminosité. Donc, en me déplaçant à droite et en gauche, après avoir appuyé sur contrôle majuscule, ça me permet de pouvoir donc, en conservant la même couleur et la même saturation, de pouvoir donc faire varier la luminosité. Okay, donc on voit que c'est le curseur de luminosité qui varie maintenant, le curseur qui est le plus à droite ici des trois curseurs, qui est donc ce curseur de luminosité qui me permet de pouvoir donc changer cette valeur de luminosité. Ok, donc contrôle, je tourne sur la roue chromatique, majuscule, je fais évoluer la saturation, contrôle, majuscule. J'augmente ou réduis donc la luminosité. D'autres nouveautés ont été mises en place aussi dans cette version 8 au niveau de l'aide à la correction colorimétrique. Donc notamment, on a deux nouveautés quand on fait bouton droit de la souris sur les onglets, par exemple au niveau de Property ici. Dans cette fenêtre, on a deux nouvelles choses comme le scope ici qui se présente sous trois formes, histogramme, waveform et vector, qui permettent donc d'avoir une analyse de l'image. Ici, comme on peut le voir donc sur l'histogramme. Donc c'est un histogramme classique ici que l'on peut donc séparer sur les trois canaux donc RGB. Et on a donc aussi, qui est relativement intéressant, le Pixel Analyzer ici, qui permet donc d'analyser l'image en termes de couleurs avec donc un min-max, average et médian ici. On avait l'habitude dans la version donc cette précédente, les versions précédentes de d'appuyer sur contrôle majuscule pour définir une zone de sélection. Alors on peut toujours le faire ici et on a donc ici le résultat dans le Pixel Analyzer de min-max, average et médian de la zone donc étudiée. On va pouvoir donc par exemple float tab. Okay. Ici, voilà, revenir sur Property et éventuellement donc utiliser cette information-là pour la reporter donc dans la correction colorimétrique que l'on voudrait faire. Donc imaginons ici que dans les tons moyens, on va venir sur le gamma ici et dans les tons moyens, on va prendre donc la valeur average ici du béton de la route. Ici que l'on a donc mesuré, on prend donc drag and drop average et on vient le déposer ici donc sur la valeur de gamma. Ok, et donc on a une valeur ici qui nous est donnée par la roue chromatique. Et bien on va prendre donc la valeur opposée ici, remonter un peu donc la luminosité et on voit qu'on rend quasiment gris donc le macadam ici, la route de notre image en venant donc équilibrer entre la couleur que l'on est venu donc prendre avec le pixel analyzer et la couleur maintenant que l'on propose donc au gamma de telle manière de venir rééquilibrer donc ici cette zone-là, comme on peut le voir, donc la différence ici donc entre la correction et avant la correction. Et de la même manière, on pourra utiliser donc l'histogramme. Je fais pareil, float tab ici, voilà. Et alors on va contracter ici. Voilà. Ok, on agrandit juste un peu. On met donc en mode stack par exemple, et puis on peut voir ici par exemple que on a donc les trois informations, les répartitions donc des trois canaux sur la luminosité du donc des tons sombres aux tons clairs ici. Et si je viens par exemple toucher dans le master donc le gain général, eh bien je vais déplacer donc mes trois
mes trois histogrammes, donc RGB séparés, vers les hautes lumières, pour autant qu'on puisse le faire. Et de la même manière, donc le gain en le redescendant, j'écrase donc les trois courbes, les trois histogrammes plutôt, RGB, donc bien sûr vers les tons sombres. Donc voilà, de manière assez simple, donc une variation notable donc sur l'histogramme, ça nous permettra sur les trois canaux de pouvoir voir les prédominances dans les différents niveaux de luminosité à l'intérieur de l'image. Donc voilà rapidement vu donc les principales donc améliorations, outils qui ont été rajoutés pour la correction colorimétrique seulement, donc notamment au niveau donc du color correct avec donc la roue chromatique. Juste à savoir que bien sûr si je rajoute un grade ici, j'obtiens aussi de la même manière, donc si je vais sur le gamma, une roue chromatique, c'est pas seulement propre au color correct, hein, c'est mis sur l'ensemble donc des paramètres, et ça me permet donc de la même manière de pouvoir donc modifier mon image avec les mêmes possibilités que l'on a vu donc au niveau du color correct. Donc voilà ici ces outils présentés. On les reverra bien sûr en détail dans les différents tutoriels sur lesquels on appliquera bien sûr ces outils, et on verra les autres nouveautés donc dans les tutoriels suivants, comme notamment les outils qui ont été et les modifications qui ont été amenées, notamment au niveau du dropsheet, qui nous permet de mieux maîtriser donc les courbes, le keying dans Nuke.